La ville de Giudignano est connue dans le monde culturel et touristique des Puglia comme les jardins mégalithiques d'Italie. En effet, le territoire de Giudignano présente de nombreux menhirs et dolmens qui remontent à l'âge des métaux et sont situés dans la ville et dans la campagne environnante. L'administration communale a proposé différents parcours pour la valorisation du patrimoine mégalithique. Très intéressant est l'itinéraire qui prévoit comme première étape les deux menhirs jumeaux situés dans la place Biconuovo. Le premier menhir a une structure octogonale et une hauteur de 2,50 m. L'autre menhir a une base quadrangulaire et une hauteur de 2,40 m. Près du Trapitello del Duca, il est possible de poursuivre le chemin pour admirer le majestueux menhir Vicinanze 1, appelé dans cette manière pour la préexistence d'un ancien groupement de maisons situé dans le territoire. Le menhir dépasse 3 mètres de hauteur et probablement autrefois il a été christianisé et utilisé pour prier. Dans la même zone, on peut admirer aussi le menhir Vicinanze 2, caractérisé par une base rocheuse et une hauteur de 2,5 m. En poursuivant vers la campagne, on rencontre le dolmen Quattro Macine, ou dolmen stabile, situé à proximité des confins de Giudignano e Giugianello. Découvert par Pasquale Maggiulli en 1893, le monument dépasse 1 mètre de hauteur, tandis qu'il a une largeur de 2,60 m et une profondeur de 1,80 m. C'est très suggestif de parcourir l'itinéraire mégalithique après le coucher du soleil, grâce à l'illumination présente sur une bonne partie du trajet. Le scénario mégalithique est très riche et il permet de rappeler une civilisation mystérieuse, évoluée et riche en charme. Un peuple qui possédait des connaissances technologiques particulières et une organisation sociale qui a permis la réalisation d'œuvres majestueuses qui sont parvenues jusqu'à nos jours.